C'était il y a 30 ans, presque, jour pour jour. Alors qu'il était encore ministre du budget et maire de Neuilly-sur-Seine, Nicolas Sarkozy a pris 10 kilos durant l'été 1993. Une prise de poids qui n'est pas survenue par hasard pour l'homme politique. Comme il l'a confié au micro de RTL, le 4 mai 2023, dans un podcast nommé Human Bomb, c'est à la suite d'un violent et tragique événement que l'époux de Carla Bruni a grossi de la sorte. En effet, entre le 13 et le 15 mai 1993, Nicolas Sarkozy a fait partie de ceux qui sont intervenus dans la prise d'otage de l'école maternelle du commandant Charcot à Neuilly-sur-Seine. Un homme s'est introduit dans l'établissement scolaire armé d'explosifs avant de menacer 21 élèves de petite section et leur institutrice. La police et le RAID se sont rapidement rendus sur place tout comme le maire de la ville, Nicolas Sarkozy. En accord avec le patron du RAID, celui qui deviendra président de la République entre dans l'école pour négocier avec le preneur d'otages, qui désire qu'on l'appelle H. B, pour Human Bomb. S'en sont alors suivis des échanges tendus entre les deux hommes. Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy. Ces politiques qui ont renoué avec leur ex. J'ai enlevé ma veste, elle était trempée, je sentais que j'étais un peu fatigué. J'ai enlevé ma veste pour m'asseoir et j'ai vu que ma veste était trempée. Ce n'était pas ma chemise qui était trempée, c'était ma veste. J'étais halluciné de voir ça. A confié le papa de Julia à RTL. Au bout de 46 heures de négociation, les forces de l'ordre sont finalement intervenues et le preneur d'otages, abattu. S'il a repris le cours de sa vie normalement, Nicolas Sarkozy a continué pendant plusieurs semaines à subir le traumatisme de ce drame. J'ai eu un contre-choc cet été-là. J'ai pris 10 kilos et je ne sais pas pourquoi. Ça a dû être la peur rétrospective, je ne sais pas, mais j'avais grossi énormément, a-t-il admis. À la rentrée, il a alors décidé de se mettre au sport. Une activité qui est devenue et qui reste, encore aujourd'hui, une passion pour l'homme politique. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.